Ok, donc pour la première astuce, vous allez me trouver les marques qui sont claires dans les caves. Pas les foncées. Voilà, là on en a des claires, celle-ci et celle-ci. Non. Souvent les marques claires, on les trouve dans les biomes avec de la tourbe orange, la tourbe gluante, et c'est proche des ruines. Donc vous êtes équipé de votre canne à pêche, vous y allez, vous pêchez les anguilles, vous les donnez au roi cochon. Et oui, vous n'êtes pas fou, c'est bien 5 or par anguille. Pour moi, c'est le meilleur farm qui soit. Parce que déjà 5 or, et ensuite, bah, il n'y a pas de limite. Vous allez pouvoir le faire autant de fois que vous voulez. Le seul truc, c'est qu'il y aura un petit délai entre chaque poisson pêché, si vous le faites dans la même mare. Mais bon, des mares, il y en a plein, quoi. Fini, vous galérez à bûcher un arbre pour avoir 2, 3 rondins. Terminé, moi ce que je vous propose, c'est vous trouver une forêt. Une bonne forêt, bien peuplée. Celle-ci par exemple. Au moment où vous entendez le blaireau ours, le premier grognement, vous foncez vers cette forêt. Du coup, le blaireau ours va pop dans cette forêt. Et tout ce qui vous reste à faire, c'est l'aggro. Une fois que vous l'avez aggro, le farm du bois commence. Vous présente votre bûcheron. Le seul truc qu'il faudra faire gaffe, c'est du coup comme il déglingue littéralement les arbres, voilà, même des arbres pétrifiés pour farmer de la pierre, c'est vraiment top. Et bien, il y a des tréguardes qui vont apparaître, et donc là, ce sera à vous de te protéger contre les tréguardes, voilà, pour qu'ils durent un peu plus longtemps, quoi. Voilà, c'est tout pour ces deux astuces. Je vous laisse sur les désastres de l'été quand on ne fait pas attention. Et pourquoi c'est la saison où je hais le plus.